Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mardi, jour de mars, bien évidemment, où on est bien excité pour toute la semaine. Très bon cette journée quand on est, comment dirais-je, un peu angoissé du genou. Voyez-vous, c'est le moment de se défouler. Alors, nous allons faire une vidéo sur les mouvements inquiétants. Vous en comprendrez dans quelques minutes de quoi on va parler. Dans un premier temps, je voudrais vous répondre à une de vos questions. D'abord, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et surtout les abonnements. Vérifiez que vous êtes bien abonné parce que quelquefois les abonnements saute, ouais, comme le petit équel. Alors, nous avons pu constater que notre ami Marc ne fermait sa boutique ciel et terre et il va par contre fonder son école, hein, tout au moins il va donner des cours. Je vais, je crois, participer à un de ses cours courant février. Voilà, il me l'a proposé, ben j'écoute mon grand, c'est gentil, avec joie. Deuxièmement, je vais vous expliquer par rapport à Marc Neu. Ah ben tiens, tout de suite, parce que vous me dites, oui, mais comment faire pour les huiles? Eh ben, vous allez les faire vous-même, les enfants. Regardez, quand je prends par exemple la magie de Fortuna, nous trouvons la recette, comment faire les huiles de Fortuna, d'accord? Tout ça, vous pouvez trouver aisément, faire vos encens et compagnie. Nous avons ce livre ici, guide pratique du houdou pour débutants. Nous avons aussi des recettes pour faire vous-même tout ce que vous avez besoin, voyez-vous. C'est tout expliqué, donc c'est pas très très compliqué. Voyez-vous, ça c'est les carrés magiques, les valeurs du sceau, des sceaux, pardon. D'accord, donc tout est expliqué de A à Z, c'est pas compliqué, il suffit de le faire soi-même, d'ailleurs c'est très amusant, et dans la magie moderne également, il vous donnera pour faire vos huiles et compagnie, ça c'est pas très compliqué, faire vos encens, ce qui peut être très très bien. D'ailleurs notre ami Ange Medium a fait une très très belle vidéo concernant, elle a fait un tuto pour apprendre à faire ses propres encens, voilà. Donc voyez-vous, mais il va se consacrer, je crois, que notre ami, alors préparez, excusez-moi les enfants, préparez vos petits sous-sous parce qu'il sort 13 livres courant cette année. Notre ami Marc, et il fera des cours en ligne. Donc à vous de vous adresser auprès de lui. Dès que j'ai les liens, je vous les dispatcherai bien évidemment. Donc, d'autre part, deuxième chose, je serai bien avec Didier Santiago le 18 janvier à 20h. Nous referons une soirée un peu particulière, coup de boule, d'accord, où je vous donnerai deux rituels, celui du sucre et celui du méken, d'accord. Donc ça fera l'occasion pour vous de venir voir comment ça se passe et on fera une petite voyance générale, je vous dirai le plus étonnant et les aboutissants. Je prendrai mon temps. Concernant, j'avais raison concernant la fin d'année, parce qu'on n'a rien dit sur les journaleux, on n'a parlé que des voitures qui avaient boum badaboum brûlé, d'accord, mais on n'a pas parlé de trois événements, mais il y en a eu d'autres, donc c'est ceux qu'on m'a fait remonter. Le premier, c'est bien à Paris, à Lutèce, une jeune femme qui a été agressée en bande organisée, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais vous comprenez qu'elle était très appétissante pour ces garçons et qui ont été abusés, oui, donc ça a été fait en réunion, voilà, d'accord, et puis des gens pas d'ici. Deuxième chose, on apprend qu'à Reims, une dame joggeuse, en plein après-midi a fait son jogging la nuit, le jour du 31, et s'est fait agresser par un homme pas d'ici aussi, et qui a tenté de lui mettre au niveau de la gorge, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et troisième événement qui m'a été remonté, c'est le soir du 31 au soir, ici en Ardèche, à Aubenas, où des jeunes faisaient une soirée, et soudainement, toute une équipe de gens qui ne sont pas d'ici sont arrivés, et ils ont tout cassé, les portes comprises, d'accord? Voilà, donc même les jeunes ne peuvent plus faire des soirées... voilà, s'amuser, même au Benin, vous savez, c'est pas une grande ville, et ben on les a envoyés là, ben vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit qu'il y avait 880 personnes qu'on dispatchait dans les provinces,
qui était à Lutèce, et je vous dis ça, je le sens pas bon, j'ai raison. D'accord, sur le sujet. Donc, on va, hop, je retire tout ça. On va faire un petit tirage concernant les mouvements inquiétants. On s'est rendu compte que sur toute la peste aux étoiles, tous les pays de la peste aux étoiles, c'est le drapeau avec des étoiles. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mouvements de l'eau pointée, point A, point N de partout, qui tentaient d'établir des bases un peu de partout. Alors moi, je voudrais aller voir avec vous parce que tout le monde s'inquiète par rapport à ça, et si vous avez tout à fait raison, vous avez raison de vous inquiéter. D'autre part, le poupou est en train de prendre le pouvoir sur lui qui n'a plus de roi. D'accord? Écoutez, je vous signale que lui qui n'a plus de roi a bien balancé un truc sur, en mettant hors de vie, on va dire comme ça, hors de vie, 63 personnes du monde de Poupou. D'accord? Voilà. Alors essayez, faites attention les enfants, marquez pas n'importe quoi, parce qu'après, j'aurais du mal de laisser tous les commentaires, vous comprenez bien, des fois je comprends ce que vous voulez dire, je suis pas en désaccord avec ce que vous dites, la seule chose c'est qu'il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Hein? D'accord? Donc, on va aller voir par rapport à ces mouvements, d'accord? On va poser la question par rapport à ces mouvements inquiétants qui sont en train de se produire. Alors, ça fait partie normalement de leur stratège, jusqu'en 2030, bien sûr, d'imposer leur loi, d'accord? Voilà, je parle du monde du bidon, hein? Alors, j'ai pris le jeu, regardez les enfants, le jeu de la sororité. Le jeu de la sororité, le tarot de la sororité sacrée. Je l'aime bien celui-ci. Ça fait partie des jeux de ce que j'appelle de la protection. D'accord? J'ai hésité avec le tarot des Illuminati. Et puis le tarot des Illuminati, il a un côté envahisseur et j'aime pas trop. Je préfère rester dans la positivité si vous me permettez. Voilà. Donc, hop. Hop, 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 hop. Alors, dites-moi par rapport, alors, les mouvements inquiétants, est-ce que, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à ça. Donc, tarot majeur pour les nouveaux arrivants, hein, les amis. Les cartes majeures, les cartes mineures, je lis à l'endroit et à l'envers. Je mets deux tarots majeurs et je mets là, parce qu'on va devoir les tricoter, quatre, d'habitude c'est trois, mais là j'en mets quatre, parce que j'ai besoin de savoir, d'accord? Voilà, hop, et 4 mineurs. Maintenant, regardez les enfants. Ouais, je dis les enfants, mais il ne faut pas le prendre. Prenez-le à la légère. Je suis mère poule, hein, on ne va pas me changer avec le temps. Mais je ne suis pas une mamie. Voilà, voilà, j'ai pas d'os, donc je ne suis pas mamie. Je suis maman de petit chihuahua. Voilà, non, excuse-moi. C'était mon moment. Alors, donc je regarde, j'ai tout mélangé, donc on va poser la question. Qu'est-ce que c'est ces mouvements inquiétants? Qu'est-ce que ces mouvements inquiétants? Ah oui, d'autre part, les enfants, ne m'envoyez pas trop de mails parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Alors, des fois, vous êtes fâchés. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que mail pour faire pour les consultations ou alors les gens qui m'ont consulté et on continue un travail un peu. Voilà, mais ne m'envoyez pas des mails sans arrêt parce que je peux pas y répondre. Vous vous rendez compte, je reçois plus de 300 mails par jour. Comment voulez-vous que je fasse? Je peux pas. Je peux pas. J'ai pas le temps matériel et surtout maintenant que j'ai ma vie qui bouge à 200 à l'heure, donc je ne peux pas. Ou alors il faudra que je prenne quelqu'un, mais ce sera pas moi qui le ferai. Donc ça a aucune utilité. D'accord? Les mouvements inquiétants. Voilà, les mouvements inquiétants. Et je prends très très peu de monde, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je dois aussi me consacrer à mon travail. Alors, hop, les mouvements inquiétants. Alors, certains de nos amis disent que ce sera une amie cool. Voilà, il y en a une qui est au Québec, là-bas, qui raconte n'importe quoi. J'ai le droit de le dire pour une fois, voilà, parce qu'elle dit beaucoup de mauvaises choses sur moi. Voilà. Donc, il faudrait qu'elle nous raconte qu'est-ce qu'elle a fait des 60 000 dollars, hein, à l'occasion, voilà. Et qui dit que ce sera une bonne année de paix. Oui, oui, cocotte, amuse-toi. Voilà, quand tu viendras rendre des comptes à la fin de l'année. Voilà, donc là, excusez-moi, des fois c'est bien de mettre des petites calottes. Voilà, la communication ne passe pas par rapport à des événements qui sont en train de se passer. Le bidon et
le bricaton ou le macaron ou la chose qui nous sert là-haut, si vous voulez, ne disent rien. Même eux, je me pose la question s'ils sont déjà au courant à titre personnel. Remarquez, ils sont tellement dénavés. Donc voilà, donc il y a bien un projet qui est financé, enfin qui s'autofinance actuellement. Il y a bien quelque chose, c'est bien dirigé par les lobes.bi, hein, je vous en ai parlé. Attendez, je vais remonter la caméra, les enfants, parce pour bien que vous voyez les cartes, parce qu'après, si vous ne les voyez pas, c'est pas cool. D'accord? Voilà. Donc, je répète, il y a une très mauvaise il n'y a pas de communication par rapport à des événements qui sont sous-jacents, qui sont dessous avec un projet qu'on ne connaît pas. Là, on me parle, c'est une histoire de copains entre lobbies. Je vous rappelle que quand il y a eu des ennuis dans le passé, que ce soit en 14, que ce soit en 39, que ce soit dans d'autres événements du même type, il y a toujours les lobes.bi. C'est jamais une histoire de personne. C'est une histoire de pouvoir. D'accord? Et c'est là que c'est vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Alors ici, nous avons quoi? Il y a quelque chose qui dort. D'accord? Il y a un projet, de toute façon martial. Je l'ai bien là, le projet martial. Donc, je dis à nos élites qui nous écoutaient, il y a bien un projet martial qui est dominé par des gens qui ne sont pas du tout dans la sagesse, dans la bonté. Et là, je peux vous le dire, hein, c'est pas du tout dans la bonté, dans la gentillesse, bien au contraire. Ça concerne le 3 gouverne, hein, le 5 la compose, le 7 le rend parfait. Si vous me posez la question, je vous répondrai pas. C'est réservé aux initiés, certaines personnes le sont, et là je vous dirais clairement, ils sont en train de trinquer à quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Vous savez ce que veulent notamment le chauchouab, le sort qui n'a plus d'os, et le bill le gaga avec la nullité qu'on a à l'utèce. D'accord? Voilà, donc là... Je vois l'envers pour retourner à l'arrière. Il y a quelque chose qui ne sera pas de la fructification. C'est assez étrange parce que voyez-vous les amis, beaucoup de gens sont angoissés par rapport à ces mouvements qu'on voit sur tous les pays de la peste aux étoiles. Mais je vous dirais, moi, j'arrive pas à m'angoisser parce qu'au bout du compte, chaque fois je l'ai, les enfants. Je sais que vous êtes très inquiets. Ils veulent mettre ça en place. Je vous ai parlé qu'il y aurait 4 ans de difficultés. On peut, voilà, au minimum 4 ans, d'accord? Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi? Parce que les gens ne réagissent pas. D'accord? Les gens sont apathiques. Voilà. Nous avons sur Terre, alors ça, c'est une conclusion. Vous savez que je suis iridologue parallèlement. Donc, tout ce que j'ai étudié dans le passé, ce sont des études, mes propres études. Et on sait que 99% de la population est névrosée ou psychotique. D'accord? Donc là, et ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas du tout. Donc, si vous voulez, en finalité, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de... Mais je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Donc, oui, il y a des mouvements. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Mais on me dit carrément... Je vous répète toujours ce que je vous ai dit, mes amis. Restez entre vous. Arrêtez d'angoisser. N'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les journaleux. Parce que, de toute façon, ce qu'ils disent est faux. Vous entendez bien? C'est faux. D'accord? Voilà. Je peux pas être plus ferme que ça. Mais il faut pas diviser, parce qu'on va vouloir diviser, l'histoire du coco, c'était ça, c'est diviser les familles. Vous vous rappelez bien, papy, mamie, ils iront manger la bûche dans la cuisine pendant que vous serez de l'autre côté. C'est la pire chose qu'on pouvait faire. Bon, heureusement, maintenant, ça ne marche plus par rapport à ça. Il y a une vidéo que je vous ai diffusée, par rapport à des overdoses concernant des carabistouilles qui ont été données par les mecs qui savent, vous savez, les labos, entre guillemets, aux États-Unis, d'accord, où les gens ont des réactions complètement bizarres, mais je peux pas la diffuser parce que sinon ça nous mettrait à mal, d'accord. Allez voir par vous-même cette vidéo que vous trouverez sans doute n'importe où, sur Twitter ou ailleurs. Donc merci Jocelyne, parce que c'est ma petite Jocelyne qui m'a envoyé ça, donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce retour. Donc pour moi, si vous voulez, il y a bien quelque chose de caché dans une communication qui va concerner les familles et surtout les familles et enfants. Attention, attention, attention les enfants, je vous le répète, moi, ce que je ferais, si j'avais des enfants aujourd'hui en bas âge, je ne les laisserais pas dans cette et point col, d'accord?
et point colle. En plus, ça va très bien ce que je suis en train de vous dire, à savoir, on va vouloir reformater les petits. Vous entendez bien? Voilà. Pour être contre les parents. Ouf. C'est du lourd, hein, les enfants quand même. Donc, il y a bien quelque chose derrière, des lobbies, etc., qui veulent vous rendre inactif. Donc, très intéressant. Donc, il va falloir être prudent, les amis, aux nouvelles futures potions. Vous entendez bien? Aux nouvelles futures potions. Si vous avez la chance de voir cette vidéo que je n'ai pas le droit, puisque je ne peux pas publier malheureusement, vous allez rendre compte ce que ça va faire. Nombre de gens sont tombés autour de moi par rapport à ça, malade. D'accord? Voilà. À cause de ça, je vous le dis clairement, fin de cycle. Fin de cycle. D'accord. Alors là, ça va être intéressant, les enfants, si vous me permettez. Dans la communication, plus rien ne se passera. Ce qui me dit clairement, parce que je ne sais pas vous, les amis, mais je trouve que depuis quelque temps, je parle à titre personnel, à ma maison ou au téléphone, vous savez que je discute beaucoup à l'étranger et compagnie dans mon activité, et je vous dirais beaucoup de problèmes de communication en ce moment. Je rencontre que, par exemple, la plateforme, enfin, la société avec laquelle je suis pour Internet, je trouve qu'on a beaucoup de difficultés en ce moment. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais là, ce qui explique le problème de communication. D'accord? De toute façon, à un moment donné, ils sont en train de tout surveiller de partout. Après, ça peut plaire à des personnes ou pas, hein? Moi, là-dessus, je suis très, 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 très zen. Trahison. Ah ben ça commence bien. Trahison par rapport à des projets qu'ils ont bien. Ben j'ai une double trahison. Trahison financière, trahison tout court et compagnie. D'accord? Ça va concerner les familles. Ben écoutez, c'est quelque chose qui va se dévoiler. Là, par contre, les amis, franchement, je dirais, je serais prudente, hein, par rapport à ce que vous ingurgitez. Je vous encouragerais, si vous me permettez, à faire les choses vous-même, votre pain, vous voyez ce que je veux dire? Votre cuisine, enfin moi j'adore cuisiner, alors c'est pas un problème, mais je vous dirais, là je ferai attention, comme ici vous voyez, alors je mets les cartes ici, voilà, je prends celle-ci, il y a marqué Torah, d'accord? Mais moi je vois Tarot, d'accord? Voilà, vous commencez à comprendre. Tarot va vous amener vers vous transcender. Automatiquement, vous allez récolter par le domaine le chakra couronne et compagnie. Ça, il faut. C'est ce que j'explique, hein, quand j'ai les gens au téléphone. C'est ce que j'allais leur expliquer avec Jacquin Boaz. On est à la porte des. Comment on appelle ça? Du temple de Salomon. Et derrière, nous pouvons remarquer qu'il y a des fruits, donc fructification, à partir du moment où vous êtes dans le domaine. Dans mon domaine kabbalistique. Du reste, je parlerai aussi dans la vidéo avec Didier Santiago. Je parlerai du livre sur la kabbale qui a changé mon existence, mais il y avait à l'intérieur, comment vous dirais-je? Il y avait à l'intérieur plein d'exercices et il faut savoir pratiquer. C'est ce que je vous dis, les enfants. Si vous ne pratiquez pas, rien ne se passera. D'accord? Alors. Ici, nous avons les banquiers qui ont la tête à l'envers. Pourquoi là, j'ai une réussite? Alors là, ça me parle de patrimoine. Un échec. Donc, ils vont tenter de faire un coup sur le patrimoine de chacun, mais ils n'y arriveront pas. Vous savez, par rapport à ces écolos-bobos, là, qui veulent faire des nouvelles lois, voyez-vous ce que je veux dire par rapport aux maisons et compagnie, ben, au bout du compte, ça ne marchera pas. Je vous ai dit que Bricaton changerait sa veste. Je vous avais dit que les Germans, ben, changeaient leur veste aussi, à savoir qu'ils veulent nous mettre dans le dos pour faire le quatrième, pas le troisième dans les années 40, mais le quatrième, vous avez entendu, d'accord, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est un peu codé, hein, tout ce que je dis, mais on n'a pas le choix, les amis. Donc, voilà, donc pour moi, là, s'il va y avoir une lutte acharnée entre les deux,
D'accord? Faut pas vous affoler, mais là, à mon avis, ça va partir en vrille. Bon, là, c'est ce que j'ai. Entre le monde des Germans et le monde de chez nous, il y a rupture totale. Elle n'est pas actée encore, mais je peux vous annoncer d'entrée de jeu qu'il y aura une rupture totale. Je sais que les Germans vont négocier avec le monde de Poupou. L'autre, il commence à comprendre, vous savez, notre mannequin national. Notre briquet pour un ton et sa briquet pour un te commence à avoir des problèmes et se rendre compte que le monde de Poupou, finalement, il en aura besoin. C'est pour ça qu'il essaie de revenir en arrière. Le bidon n'est pas content, enfin, le monde du bidon n'est pas content, bien sûr, parce que si vous voulez, ils veulent tout mani point pulé. D'accord? Donc, le souci, il est, c'est que Luc, il n'a plus de roi, les 80% de ce qu'on leur donne, ils le mettent de côté ou ils le revendent si c'est du matériel. Et le restant, ils le gardent pour le mettre pour eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est de la magouille, hein. C'est ni plus ni moins que de la magouille. Mais apparemment, pour le ressentir actuellement, je pense, les enfants, que ça marche plus vis-à-vis de la populace. Là, je veux dire, ça marche plus du tout. Puis quand on dit que c'est à cause de ça qu'on a une inflation chez nous, franchement, ils sont d'un ridicule, mais alors d'un ridicule. Continuez, les enfants. Faites monter la sauce. Vous inquiétez pas. Voilà, ça sera pas de la sauce, ça sera de l'huile bouillante qui va arriver. D'accord? Quelque chose de sacré. Attendez. D'accord, il y a quelque chose qui va. Oui, mais dans les provinces et compagnie, c'est pour ça que je voyais dans un premier temps, je vous l'avais dit, les enfants, revenir à un côté provincial, enfin région. Voyez-vous, ici, on a par exemple un président, comment il s'appelle, Laurent Wauquiez. Je le vois comme s'il devenait le président de notre en totalité et se dissocier de ce qui se passe à l'Utesse. De toute façon, les présidents dits de région vont se dissocier de ce que se fait à l'Utesse. D'accord? Ben écoutez, on ne va pas leur dire le contraire, hein, de toute façon. Donc voilà, parce que là, j'ai vraiment une dissociation par rapport à ce monde politique que et j'ai appris par une amie que tous ces comment dire, branquignoles, d'accord? À l'Utesse là-haut, veulent tous faire partie du cercle de pouvoir en espérant dire je veux passer sur le plateau, voyez-vous. Enfin, c'est les précieuses ridicules dans toute leur splendeur qui sont là-haut et voilà. Mais ils sont en train de faire. Vous savez, c'est comme le bouchon de champagne, voyez-vous. Ben l'Utesse, c'est ça le bouchon de champagne. Mais à force de secouer la bouteille, ben le bouchon il va sauter, voyez-vous. C'est Péronnel là-haut. Ça, c'est clair. Il y a une trahison. Donc, il y a bien une trahison qui va. Alors, ça me parle de la province plutôt que de Lutèce, parce que Lutèce, vous vous rendez compte, ils savent même pas ce que c'est qu'une vache. Alors, ils savent même pas ce que c'est qu'un petit cochon. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne savent rien de la culture. Vous leur parlez d'un mot, ils savent. Ah bon, ça existe des vaches. Ah, mais je croyais que c'était dans le rayon. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, là, pour moi, d'accord. Donc, très bien. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a vraiment une trahison, des gens qui vont se faire passer pour des gens très, très bien. Oh, bah, écoutez, par le mec qui savent, ils sont à l'action. Hein. Voilà, je sais que par contre, ils sont prêts à être dégommés du monde du bidon. C'est ça qui est assez étrange. Mais ils sont vraiment ancrés chez les Germans, hein, avec grâce à l'Ursulette et celle qui était avant, voilà, celle qui ressemblait à un pot de miel, ouais, un pot de miel, je dirais. Elle avait comme une perruque, une toupie sur la tête, là, la mère qui n'a plus de quelle. Voilà. Donc, si vous voulez, pour ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas sacré. Ils vont tenter, mais j'ai une inaction. Mais par contre, les traîtres vont sortir de. On va savoir de qui on parle, hein. Ça, c'est une évidence. D'accord. Pognon. Bon, décidément, avec eux, il y a toujours. Ah oui, il paraît qu'il y a des sacs de bifton qui courent sur Lutèce. Il y a des sacs de bifton avec, voilà, qui viennent du 4 qui n'a plus de tare. Vous avez compris? D'accord. Il y a des sacs partout de bifton. Voilà. Mais je vous dis, à force de secouer la marmite, elle va. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose dans une communication, mais aussi dans un lobby d'argent pour tenter de mettre à mal toutes les familles. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout restez en famille, vous avez compris. Ça c'est très important.
Donc on parle bien, oui, ben c'est les familles qui veulent tenter de mettre à mal, donc faites attention à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants aller comme ça. Il y a des rapports actuellement concernant les enfants, vous savez, les abus sur les enfants. On fait attention comment on dit les choses. Et ça n'a jamais été aussi présent. Donc on ne laisse pas aller ses enfants n'importe où. On les accompagne. D'accord? C'est pas. Voilà. Donc là, j'ai bien une trahison par rapport aux familles. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Il y a quelque chose d'inattendu, surprenant. Donc, si vous voulez les enfants, ils veulent à la fois supprimer les points colle et en plus de ça, si vous voulez, ils veulent faire en sorte, ouais, ils veulent alors faites attention dans les dessins animés, faites attention. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'éducation castration scolaire que l'on pourrait donner aux enfants. Là, je vous le dis sincèrement, les enfants, enfin les enfants, les amis, faut faire attention là, hein, d'accord? Parce qu'ils vont passer, ils vont donner gratos des bonbons, ils vont donner gratos des films et compagnie. Attention, attention. Leur première partie concernant le coco a raté, ça a foiré. Vous savez, les passes et compagnie. Pour l'instant, ça a foiré. On va voir la suite des événements. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas dans un projet les concernant, il y a bien, ben, ça les concerne, puisque là, on a bien le support financier. Donc, tout ne va pas du tout comme ils veulent, là, au niveau du bricaton. En fait, je vous l'ai dit, un bricaton à la trouille, hein, d'accord? Comme le casta ou les castagnettes, là, le casta qui n'a plus de nerfs, ou alors les castagnettes, hein? Pareil, la borgnette, c'est pareil, dans le même truc, même le verrou, il a la trouille parce qu'on va découvrir. Là, je vous l'ai dit que là, on va entrer dans cette phase-là où il y a des tas, tout va sortir. Vous avez vu, ah oui, les enfants, vous n'avez pas vu sur Twitter, eh ben, vous savez, le Hunter, le fils du bidon, ben ça y est, tout est révélé, tous les tweets sont sortis. D'accord? Ils ont été débloqués grâce à Monsieur Elon. D'accord? Ben, écoutez, on peut au moins le remercier pour ça. Et là, ça va, c'est sorti, hein. Donc là, on me parle bien d'un projet concernant les familles pour les nourrir. En fait, ils veulent vous nourrir à la maison. Comme je vous l'ai dit, mes amis, si vous avez un bout de jardin, faites vos plantations. D'accord? Faites votre pain. Allez apprendre à faire les choses vous-même. YouTube, ça regorge de vidéos sur le sujet. Là, il y a une rupture totale. Oh, ben, bénaise. Bon, écoutez, pour moi, et c'est là peut-être, mais je vais vous dire quand même, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, les amis. Je vous dirai là tout de suite qu'à l'intérieur même de ces gens qui veulent nous mettre à l'envers, il y a des gens qui veulent leur mettre à eux à l'envers. Vous êtes en train de comprendre? Donc, il y a en train de se mettre en place une structure pour les bastonner. Alors, les amis, ceux qui veulent les bastonner, vous êtes les bienvenus, hein, je vous paye l'apéro, moi, il n'y a pas de souci, hein, ou le Dijon, hein. Là, c'est sûr, vous comprenez? Voilà, mais là, j'ai vraiment quelque chose qui se met en place. Ensuite, donc, d'accord, là, ça me parle. D'accord, donc on me parle des. Bon, c'est bien au niveau des écoles qui veulent intervenir, je vous l'ai déjà dit, pour savoir ce qui se passe, pour faire une forme de délation. D'accord? Faire une délation au niveau des familles qui racontent tout ce qui se passe. Enfin, apparemment, ça s'est déjà produit parce que j'ai une de nos amies qui m'a informé qu'à l'école, on leur posait beaucoup de questions, ce qui s'était passé, pas passé pendant les fêtes, d'accord? Et pendant les vacances aussi. Et ils devaient tout raconter de A à Z. En fait, on leur fait faire, vous savez, des rédactions, des choses comme ça. Voilà, c'est un interrogatoire. Donc, bon, moi, c'est vite vu, hein, donc c'est clair. Ils ont les projets. Alors, leur projet, excusez-moi, mais moi, je reste toujours sur ma devise, vous savez, par rapport au mouvement. Ils veulent faire le grand reset, RE.7 par rapport à tout ça, si vous voulez, hein, d'accord, tout ce qu'on a vu. Mais j'ai toujours une inaction. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On me parle de raison professionnelle et le diable, donc ce qui veut dire clairement, ils ont ça dans la tête et le diable, dans ce cas-là de figure, c'est pas mon pote. D'accord? Ici, nous avons Satan, entre guillemets. D'ailleurs, vous avez l'étoile, le pentacle à l'envers, hein, si vous voulez. Et là, on n'a pas quelqu'un de cool qui veut mettre l'embrasement de partout. Et ça, c'est le monde du bidon. Hein?
Ça, c'est le monde du bidon. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Ensuite, donc là, il y a bien un projet qui n'aboutit pas. Ils veulent y aller avec les armes. Ils veulent imposer là, ils veulent imposer les choses, si vous voulez, mais dans le dos. Vous voyez, on met dans le dos. Donc, il y a bien une histoire de potion qui revient à la charge. Vous entendez bien? Il y a bien une histoire de potion qui revient à la charge. Alors, moi, je dis, hein, il y a des choses essentielles, la vitamine C, le magnésium, il y a tous ces trucs-là, les enfants. Il ne faut pas les oublier, hein, c'est du B.A.B.A. Il y a mon infusion donc que j'ai mis dans la barre de communauté avec du laurier, du lait clos de girofle, du thym et un peu de miel. Ben, il ne faut pas vous en priver, les enfants. Hein. Donc, il y a la tour foudroyée par rapport à eux, ça veut dire que ça ne se produira pas et les choses se passeront avec force. Donc là, les amis, je vais vous le dire sincèrement. Si on me dit que leur histoire va réussir, niette, en finalité. Mais je peux vous annoncer que ça va être de la castagne. D'accord? Donc la personne qui me dit qu'on va passer par une année, oh, ça va être une année de pébobo, voyez-vous, 60 000 $! Faut pas l'oublier. Automatiquement. Elle en a fait quoi, ces 60 000 $, finalement? Elle les a rendus au moins? Voilà. Donc, automatiquement, je vous dirais, c'est ça la malhonnêteté, hein, d'accord, voilà. Donc, je vous dirais à ce moment-là, les enfants, faut pas vous affoler sur le sujet, d'accord, faut vraiment pas vous affoler, simplement, restez en famille, ne bougez pas, mais par contre, ça va castagner, ça c'est sûr, ça va être une année... un peu rock'n'roll, mais ça, c'est parti, comme je vous l'avais annoncé, pour 4 ans. C'est comme ça. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour d'autres aventures, bien sûr. En tout cas, je vous fais de gros bisous tendres. Bye bye!